Salut à tous. Je pouvais pas résister à l'envie de vous faire une vidéo ici. Je suis en Guadeloupe chez des amis avec d'autres amis qui sont en France métropolitaine. Et donc nos amis guadeloupéens nous ont emmenés dans un lieu qui est juste paradisiaque. Je vous laisse découvrir un petit peu. Donc, j'ai envie aujourd'hui de vous faire une vidéo très très simple sur la gratitude. C'est un mot qui avant pour moi était très synonyme de niaiserie en fait. La gratitude, oui, je suis en gratitude pour tout et pour n'importe quoi. Et je trouvais ça bête, je trouvais ça niais. Alors il y a un moment déjà quand même, hein. Il y a quelques années, et toute cette vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, que j'ai dessiné dans mes pensées juste d'année en année, je l'ai dessiné au fur et à mesure, je l'ai choisi, je l'ai créé, et aujourd'hui j'en suis là et j'ai juste énormément de gratitude pour tout ce que je vois, pour tous les gens qui m'entourent. Et je savais que ça arriverait, je savais que tout ça arriverait. Et pour moi, c'est vraiment le début d'une toute autre aventure. J'ai opéré un switch lorsque j'ai décidé de tout quitter il y a encore 3 mois. Et c'est vraiment que le début. Et pourtant, c'est logique dans mon esprit, c'est logique de voir tout ça. C'est logique parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai dessiné là-dedans avant de le créé tout autour de moi et à l'intérieur de moi. Et pourtant, même si c'est logique, et ben ma gratitude grandit de jour en jour, et ça c'est juste fou. Ça peut m'arriver très souvent en ce moment de juste être à table en train de manger avec mes amis et d'avoir simplement des montées de larmes et de pleurer. Ça m'arrive très souvent en ce moment, juste parce que je me sens heureux dans le moment présent, juste parce que ce que je vis à ce moment là est extraordinaire. Il y a des mots qui veulent vraiment dire des choses extraordinaires, magiques, et ça m'arrive très souvent. Et pourtant, même si je le savais, eh bien j'ai quand même la gratitude qui grandit tous les jours. Vraiment, croyez en vous, croyez en vos rêves. Je sais que ça paraît, c'est un peu quelque chose lancé comme ça, mais faites des petits pas et dessinez vos rêves. Dessinez-les même au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire dessinez-les sur une feuille, écrivez, faites-vous un cahier de rêves, écrivez ce que vous voulez dans le détail. Je veux voyager, ok, où est-ce que vous voulez voyager? Vous voulez voyager en Guadeloupe ou vous préférez l'Asie peut-être? Alors dites où est-ce que vous voulez voyager et dans quel hôtel vous voulez aller. Et limite, dans quelle chambre, la numéro combien, la 24 ou la 212? Soyez précis pour rester focus sur vos rêves. Et plus vous serez focus, plus vous aurez de gratitude. Et même si ça arrive dans votre vie, eh ben, vous direz, mais c'est normal parce que je l'ai décidé. Mais vous serez quand même en gratitude infinie pour tout ce qui vous arrive. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais j'avais à cœur de vous la faire dans cet endroit paradisiaque. Cet endroit magnifique. Voilà. Et exceptionnel. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Si c'est pas encore fait, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Moi, ça m'aide à être référencé sur YouTube. Si vous l'avez pas aimé, bah, mettez un pouce en bas. Et n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à parler de ce que vous voulez. En tout cas, de gratitude, c'est mieux en tout cas sur cette vidéo parce que c'est quand même l'idée. Mais je suis toujours OK et j'adore faire de grands débats. Si vous avez une expérience ou dites-moi ce que vous pensez de la gratitude, si elle est dans votre vie, si vraiment vous vous sentez chanceux dans votre vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.